tout le monde, c'est Yota, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Darksiders 2. Comme d'habitude, je vais vous laisser le petit résumé, le point sur l'histoire, et on va reprendre là où on s'était laissé. Allez, c'est parti. Je vais juste sortir de mon ordi. Hop. Mais, je suis la télé. Ok. Et c'est parti. Le point sur l'histoire. Le bastion était sec, mais le cavalier libéra ses larmes. Les anciens se réjouirent, car leur forge était sauvée. Ils façonnèrent alors une clé, capable d'éveiller la pierre. Ok, alors on a plusieurs missions. Hop. Donc déjà on est dans le temple oublié si je me rappelle bien. Ouais c'est ça. Alors là il faut faire. Ok, donc il faut péter de partout. On va prendre les escaliers alors. Hop, passer par ici, on peut passer par en haut. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Bah écoutez, on va monter. Ok. On a un coffre juste là derrière. Non, ici. Pardon. Juste ici. Ok. Donc va falloir réveiller ça. Oh, il y a du monstre. C'est plutôt cool ça. Hop. On a une pièce de Vulgrim juste ici. Elle est au-dessus, en dessous. En dessous. Donc qu'est-ce qu'on a à faire sous l'eau? Ça encore. Ici pour un coffre. Hop, monte, 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 petit. Juste là. Passer là-dessus. Ouais, ok. Bon. Là, c'est fait. On peut remonter par là? Non. Non. Non, non, non. Alors, attendez. Par où il faut remonter? Là, ouais, non, tout droit, monte. Ok, d'accord, je vois par où il faut passer. Ok, un en moins. Je vais passer par là également. Donc, on va activer notre ami. Salut. Un levier. Ok, d'accord, c'est pour le pont. Eh bien, on va descendre de là alors. Et c'est par ici.
Ok. On est plutôt bien. Parfait. On a du monstre. Super. Ah, il y a du monstre. Il y a du... y en a. Et j'ai vu qu'on pouvait se battre avec celui-là. Mais ça quand même plutôt sévère, hein. Est-ce que je peux... Ouais, je peux les taper tous comme ça. Parfait. Alors, je sais pas si à chaque fois il y a des trucs derrière ou pas, mais je préfère les péter. Au moins, je suis tranquille. Hop. Un petit coffre. La clé, certainement. Quoique. Non. C'est un joli coffre, en tout cas. Alors, on va regarder un peu notre équipement, les amis. Bon, pour le moment, on est bien avec... Enfin, on est bien avec ça. Toi, tu fais mal, mais tu tapes... Enfin, tu fais mal, mais t'es trop lent. Ouais. Oh, joli. On va mettre ça. Non, elles sont toujours meilleures. Fragment nodal d'Oran. Sculptetra. Donc, du coup, si je me rappelle bien, c'est le dernier ingrédient. C'est le dernier ingrédient à amener à la meuf, là, des talismans. Là. Non, je ne me souviens plus le nom. Allez, petit avance. On casse tout. Qu'est-ce que c'est que... Alors attendez, moi je veux pas encore. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'on... Ben non, on peut pas péter ça. Bon, dommage. Du coup... On va monter sur la chaîne. C'est quoi ces trucs là? J'ai pas encore compris à quoi ça servait. Descends. Descends, descends. Alors la boule ici. Si j'explose ça. Ouais. Ça suffit. Pousse. Ok. On est plutôt bien. On est même très bien avec ces mobs là. Toujours pas mort toi? Voilà. C'est bon, on les a tous. Alors attendez. Est-ce que... Ah oui, d'accord, ok. Pardon, excusez-moi. J'avais pas compris que les deux... Allez, il pousse petit. J'avais pas compris que ça s'inversait les deux. Oui, donc du coup c'est tout simple.
ça échange. Du coup, on peut récupérer, je pense que c'est la clé. Ouais. Ça c'est parfait. Super. Alors ce que je ferai avec l'argent que j'ai, c'est que j'irai m'acheter du nouveau stuff. Ce sera certainement la meilleure chose à faire, à mon avis. Je peux redescendre. Parce que déjà il y a un coffre. Sympa, d'ailleurs. Hop. Et... C'est quoi ces trucs là? Ça a l'air de servir à quelque chose. Mais je sais pas à quoi. Peut-être que je le saurai plus tard. Hein. Du coup, toi, on va te récupérer. Est-ce que... Non, je peux pas tirer dessus. Hein. Donc... Avec ça, on est plutôt bien pour le moment. On a juste à ouvrir la porte. C'est parfait. Ok. Donc. Ouais. Très bien. Non. J'étais persuadé qu'il y avait un moyen pour courir. Ouais. Est-ce qu'on a un autre monsieur derrière ou pas? Oui. Salut à toi. J'ai pas toute ma vie, donc je vais rester avec le Y, avec l'arme secondaire pour récupérer toute ma vie. Ou une grande partie en tout cas. On va récupérer notre copain le... Le golem, je dirais. Parce qu'on va avoir besoin de lui pour faire péter tous ces trucs là. Parfait. Allez petit, tu peux le faire. Donc... défoncer, on va pas chercher à comprendre. Là-bas j'en ai aussi. Hop. Alors est-ce que c'est un bon coffre? La carte du donjon. Ouais. Je la regarde pas la carte. Ouais. On va la regarder. Hop, hop. Je suis là. Donc là. Ok, donc la suite c'est par là. Donc, en toute logique, nous, on va aller par là. Il y a moyen que je meure là quand même. Hop, le petit coffre. On est bien, on est bien. Je ne peux pas. Vous savez quoi, on va utiliser une popo. Comme ça, on peut récupérer celle qui est juste ici. Hop là. Et on va là-bas, on va réutiliser le collègue. Et a priori, l'aventure s'arrête ici pour lui. Enfin, du moins pour le moment. On a des Sculpetra. Est-ce que je peux leur tirer dessus déjà?
en tout cas, on va se battre, ça c'est certain. Ok, ça fait quoi? Ah, ça invoque du mob. Ok. Donc là on est bien. On a déjà fait péter un, c'est cool. Ok, tu veux pas, hein. Ok, un autre en moins. C'est plutôt cool cette phase de combat, moi je suis ici. Ok, il reste plus que toi du coup. T'es où, Jackie? Ah, mais il en fait repop à chaque fois. T'es où? Ok, je l'ai eu, super. Du coup, il en reste quoi? 3? 2, 3? Utiliser en hauteur, je pose la question. Non, ça aurait pu être tout cracheté. Ah, en fait, ça, je l'ai eu, super. Qu'est-ce qu'il nous reste alors? Non, j'ai pas envie. Ok. Ah. Ok, toi t'es mort. Voilà, parfait. Donc du coup, on a utilisé une popo, normalement on en a récupéré une aussi. Oh. Et donc c'est... Non, c'est... Non.
toujours pas. Ah, comment on fait déjà? Allez, on passe à mode survie. Youlo. Ok, eh bien, écoutez, plutôt sympa cette phase de combat avec un nouveau petit coffre. Potion de mana. Ah, il y a un truc vers là-bas que j'ai raté. Hop, allez, on fait le tour des objets. Ouais. Ok, bon, pour l'instant on reste sur ce qu'on a. Il y a des trucs plutôt sympas quand même. Coup par victime, dégâts critiques 14%. Ouais, sympa. Ouh, lui il est bien. Allez, on va mettre ça. Des meilleures jambières. Ah, on perd du dégâts critique, mais on a une meilleure défense. Allez, on passe à 301 vies de défense. C'est parti. Et est-ce que... Alors, attendez une seconde. Est-ce que j'ai pas un truc à nourrir par hasard? Non. Non. Ok, donc... Faudra juste que je revende tout ça auprès de Vulgrim. Pour pouvoir acheter les meilleures choses. Vulgrim ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs, on s'en fout. Hop, par ici. J'ai failli y passer. Ok. Hop. La petite pièce de Vulgrim à ne pas rater. On a un coffre qui est juste là-haut. Je suppose qu'il faut aller par là. Ah, ok. Donc on a dit il y a un coffre juste là. Coffre là, plutôt sympa ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est où ce truc? Ils sortent d'où eux? On ne sait pas. Ok. On va prendre le coffre, on va aller voir ce qu'il y a au milieu, on va intriguer. Qu'est-ce que c'est? Boussole l'apprenti. Ah ok, d'accord. Pour la quête secondaire. Eh ben c'est plutôt pas mal déjà. Un ascenseur. Des trucs à péter. Potion de mana, c'est bien ça. Pareil. Salut. Alors je suppose qu'il faut te foutre là-dessus. Pour que tu puisses monter après. Genre ici c'est très bien. Tu bouges pas. Ah, ok.
je n'avais pas vu. Ok, à gauche. Ok. Waouh. Donc il y en a un deuxième. Activé. Mais c'est immense ici en fait. Oh, attendez, attendez. Avant d'activer celui-là, on va voir ce qu'il y a par là. Il y a un coffre, il doit être en dessous. Donc on a... Ok. Je meurs là? Non. Là peut-être que oui, je meurs. Bon alors, le coffre. Ça doit bien servir à quelque chose. Attention, on peut aller en face. Potion de vie. Hop. Ok, je suis mort, super. Ok, on va péter ça avec l'autre. Donc le but c'est quand même aller chercher celui que j'ai mis sur l'ascenseur pour qu'il s'installe sur un des trous qu'il y a ici. À mon avis. Ouais, ok. On va pouvoir accéder à ça. Pète-moi ça s'il te plaît. Merci. On descend. J'y vais pas là. Attendez, attendez, attendez. J'y accède pas là. C'est trop loin. Ouais, c'est trop loin. Non, là non plus, je peux pas monter. Ah, est-ce qu'on peut l'accrocher quelque part, lui? Il me propose de l'enfourcher d'ici, quoi. Non, mais saute! Alors. C'est quoi ce truc? C'est un truc à activer peut-être. S'accrocher n'importe où hein, et qu'à certains endroits. Ok, super, on est bloqué. Ça sert vraiment à rien cet endroit mis à part trouver un trésor. Ah putain, j'ai juste raté mon saut tout à l'heure. Salut! Yes! Je sais pas combien on en a de... 7! Ok, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? C'était juste pour récupérer. Non mais... Là, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il peut traverser? Je sens que je vais le perdre, le truc. Non, déjà, il peut pas plus. Ok. Bon, écoutez, les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Une petite demi-heure. On reprendra ici la prochaine fois. On cherchera ensemble l'énigme. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Yota. Plus, plus.